Tu peux aller t'asseoir, s'il te plaît? T'es vraiment chelou. Ok. Donc, c'est le pré-générique de Bad News. Donc, avant qu'on commence, j'ai deux choses à dire. Déjà, il faut savoir que Thomas, ici présent, ne sait pas du tout de quoi je vais parler. Il est au courant de rien. Tu valides? Je valide. Et il faut savoir que pour faire cette Bad News, Thomas a donné beaucoup de lui-même. Puisque Thomas prend que très rarement l'avion. Je l'ai pris en photo ce matin au décollage. Voici le décollage de l'avion. Bon, là, il a vu que je le prenais en photo. Et voici l'atterrissage. En plus, je me tiens au siège de devant. Je suis une vraie pute, mais c'est vrai, t'as peur en avion un petit peu. Hein. Ouais, un peu. Un peu, hein. J'ai vraiment cru qu'il se chiait dessus. Juste, dans une émission, il y a quelques temps, j'ai dit un truc. Et les gens sur YouTube, dans les commentaires, sont vraiment des connards ou des putes. Ils me croient pas. Donc j'ai dit, Thomas, tu valides? J'ai dit que je faisais 1m75. Oui, c'est vrai. Je valide. Vous validez? Oui. Et je fais 1m75. Qui dans la salle fait 1m75? Moi. Toi? Bah non. Toi? Mets-toi à côté de moi. Moi, 78. Tu utilises les mêmes mensonges que moi dans la... Merci. Voilà. Tu fais 1m75? Oui. Moi aussi, voilà, voilà. Merci beaucoup. Générique. Bad News vous est présenté par Po. Ah, oula, non, petit problème technique, c'est les aléas du direct, hein, comme on dit. Non, désolé, c'est pas les bonnes images. Voilà, on la refait, s'il vous plaît. Bad News vous est présenté par Po. Ah non, alors on n'y est toujours pas. Par contre, effectivement, je commence à comprendre la confusion là. Ouais. Oui, c'est cocasse. Non, mais alors, on va utiliser les images que... Voilà, super, merci. Bad News vous est présenté par Po. Non. Mais, non mais, attendez, excusez-moi là, mais c'est complètement con. C'est vraiment complètement con. Non mais, j'aurais dit par le pot, par un pot. Mais là, j'ai dit pot, qu'est-ce que... Non mais, qui est... c'est qui le monteur? C'est qui? Oui, je me calme, pardon, ok, oui, on continue, oui. Bad News vous est présenté par Po. Oh, putain, non mais attendez, là, c'est de l'insolence, là. Non mais c'est même pas Po, c'est Pi. Ok, on l'a fait. Bad News vous est présenté par la ville de Po. Ce jeu de mots miteux vous a été présenté par Caen. La ville, ouais, je m'en aperçois, là, en le disant. Mais qui écrit ces trucs de merde? C'est moi. Pourtant que la montagne... Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre et mauvais genre, c'est Bad News. Bad News spécial Po. Ouais. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là pour rire, forcément. Bah, si, un petit peu quand même, mais pas que. On est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Nous sommes dans une spéciale Halloween, puisque jeudi, là, c'est Halloween. Avant de commencer cette émission, je voudrais revenir sur la naine psychopathe de 22 ans. Ça a défrayé l'internet. Tout le monde en a parlé. Vous ne pouvez pas savoir, je n'ai pas compté le nombre de mails de gens qui m'ont envoyé cette Bad News. Le problème, c'est que Bad News est enregistré à l'avance. Et cette info est tombée un jour après notre tournage où on avait fait un mois d'émission. Du coup, impossible pour nous d'être à chaud sur cette information. Alors, c'est elle, hein, la naine psychopathe de 22 ans. Heureusement qu'on n'en a pas parlé à chaud, parce que, bon, on vérifie pas nos sources en général, mais là j'ai vérifié un peu maintenant que l'info est un peu passée, et il semblerait que ça soit un mensonge, puisque les gens qui ont adopté ces petites filles au départ, on leur a dit que c'est une petite fille de 6 ans, et eux très rapidement se sont rendus compte qu'elle avait des poils pubiens et ses règles, et qu'elle essayait de les tuer. Voilà, c'est un peu ça en gros l'information. En vitesse, hein, vous pouvez aller lire les articles. Et eux, ils ont dit, ah non, on s'est fait avoir, c'est une naine, parce que ses dents sont adultes, on a regardé ses os, tout ça, elle a 22 ans, elle nous a piégés, elle est folle,
Du coup, ils l'ont abandonné dans un appart et ils sont partis vivre au Canada. Ils étaient aux États-Unis. Ils ont laissé cette gamine seule dans un appart. La mère qui avait abandonné cette gamine dit « Non, 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 elle est née en 2002. » Donc, il semblerait que la naine psychopathe de 22 ans n'a pas 6 ans, mais 13 ans au moment des faits. Mais personne ne sait comment elle s'est débrouillée quand les parents sont partis vivre au Canada. Voilà où on en est. Je sais pas si c'est vrai, je comprends rien. En tout cas, il semblerait qu'elle soit folle puisqu'elle mettait de la javel dans le thé de sa mère en lui disant « Tu vas mourir, maman. » En bref, je sais pas si vous connaissez un peu Halloween à l'américaine, mais ils font des blagues à Halloween. Vous savez, ils se font des blagues entre eux. Et voici le top des deux meilleures blagues d'Halloween. C'est un prank, donc c'est Amka Sengekeo, un américain du Montana, qui est accusé d'avoir menacé de tuer sa femme. Il lui a mis un couteau sous la gorge à 3 reprises en lui disant « Je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer !» Car la police est venue, il a dit « Mais non, c'était une blague pour Halloween !» Tu tentes si ça marche, ça marche pas. Du coup, je sais pas. Ça se trouve, c'est vrai. Ensuite, ça c'est une bad news de Brad, et c'est un truc qui date des années 60, et c'est complètement vrai. Hélène Fail a donné à 2 jeunes filles, une de 16 ans et une de 14 ans, qui faisaient, vous savez, elles sonnaient aux portes aux États-Unis, elles faisaient « Trick or treat, on veut des bonbons ou des farces !» Et elle leur a donné des bonbons avec de la morora à l'intérieur. C'était une farce. Quelle bonne blague. Elles sont rentrées à la maison et la maman, elle a dit « Non mais attendez, avant de tout manger, parce qu'elle avait un peu peur aux États-Unis quand même, elle s'est dit « On va étendre un peu tout ça sur le truc » et ils ont retrouvé des capuchons avec des trucs écrits « Morora » et tout ça. La police a retrouvé la dame. Ils l'ont arrêtée. Et quand la police a dit « Pourquoi vous avez fait ça ?» Hélène a répondu. Elle doit connaître l'autre mec, je sais pas. Elle a dit « Elles étaient trop âgées pour fêter Halloween. » C'est vrai, finalement. C'est vrai, quand les gens, par exemple, ils vont dans le pédiluve alors qu'ils ont 40 balais, il faut les tuer. Ouais. Nous passons maintenant à « En bref » de France Info. C'est France Info qui te l'a envoyé ? France Info, on regarde Bad News ? Non, c'est que j'ai trouvé ce truc sur France Info, en fait. Ah, une Bad News de Davy. Est-ce que... Ouais, c'est moi qui ai cherché. Ouais. Bah, dis donc. Est-ce que vous savez ce qu'est une moufette ? Oui. C'est pas une chatte. Non, c'est le putain. Ouais, voilà. Donc une moufette, c'est ça. Voilà. Tout le monde voit... Oh ! Et voici maintenant la Bad News. Alors... Nous sommes aux États-Unis d'Amérique. C'est le soir. Et c'est Halloween. Une grande fête s'organise chez les Grant. Il y a toute la famille, il y a maman Grant et le fils de 24 ans, Thomas Grant. Ils attendent encore des personnes, tout le monde est déguisé. C'est la teuf, la giga teuf. Sauf que des invités arrivent et disent « Ouh là là, dites-moi, hey, on a entendu dire qu'il y avait une moufette qui se baladait autour dans le quartier et elle est dangereuse, donc faisez gaffe !» Ils l'ont dit en français aussi mauvais. Hein. Et la maman dit à Thomas, son fils, va choper le fusil, on sait jamais s'il y a la moufette qui se trimballe devant la maison. Elle dit, on va vérifier. Elle prend une lampe torche, Thomas prend le fusil, et vas-y qu'il sort devant la maison. Et elle allume comme ça, Thomas prend le flingue comme ça, et au loin, il voit une masse noire et blanche qui vient vers eux. Thomas vise, tire, et là ils entendent... Ah! Thomas venait de descendre sa cousine. Une fillette qui portait un costume noir et blanc. Alors, elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte. Mais, ils ont déclaré, personne ne comprend ce qui s'est passé. Ben ouais, en fait, vous êtes des cons d'Américains armés, c'est tout. C'est pas difficile quand même. Là, en bref, d'Aurélien. C'est la bad news d'Aurélien. Aurélien travaillait dans un hôpital, donc il était stagiaire dans un hôpital. Il travaillait à l'hôpital de la Conception dans le 5e arrondissement de Marseille, dans l'aile nord du 6e étage. Vraiment, géographiquement, il est hyper carré. Vous allez voir pourquoi. Un jour, un patient de 73 ans atteint d'Alzheimer a disparu. Les infirmières du service passent la journée à chercher le vieux. Il est nulle part, impossible de le trouver. Les jours passent, les semaines passent, personne ne retrouve ce vieux de 73 ans. 2 semaines plus tard, une odeur un peu étrange remplit les couloirs de l'hôpital. Ça annonce toujours quelque chose de très bon, les odeurs. Ah, les odeurs, c'est toujours quelque chose de bien, ouais. Il y a une odeur qui vient du 6e étage qui est condamnée depuis plusieurs mois. Les gens pensent qu'une canalisation a pété. Oui. Du coup, ils ouvrent le gros cadenas qui ferme le lieu. Ils montent à l'étage et là, découvrent le monsieur en décomposition.
personne ne sait comment le mec qui avait Alzheimer a pu ouvrir la porte qui était fermée d'un gros cadenas et se retrouver là-haut et mourir. Puis en plus, il est mort, donc d'une part, il faut pas lui demander. Puis en plus, il avait Alzheimer, donc en plus, on ne serait même pas rappelé. Non. Donc, vraiment Non, mais c'est-à-dire que même s'ils arrivent à lui parler avec une Ouija, ils disent, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis pissé dessus. Voici une en bref de Léa, trouvée sur Le Progrès. Ah, je l'aime bien, elle. Léa ou la Bad News? J'ai jamais rencontré Léa, donc la Bad News, mais peut-être que Léa est super. C'est une quinquagénaire qui souffre d'un petit problème. Elle a une maladie artérielle. A priori, les médecins lui ont dit « On est désolé, ma petite dame, mais je crois que votre jambe droite, on va la couper. » Alors la dame, elle est un petit peu triste. Et elle se dit, c'est bizarre, hein, parce que moi je me dis « Putain, on va me couper la jambe, comment je vais faire ? Je cherche des moyens sur internet, je sais pas, pour me faire une jambe robot, tu vois, un truc, voilà. » Et elle se dit juste « Mais qu'est-ce qui va devenir de ma jambe qu'on va me couper ?» Elle est très triste là-dessus. Et elle réfléchit beaucoup, beaucoup. Avec une amie, elle parle, elle dit « Mais enfin, qu'est-ce que je pourrais faire de cette jambe ?» Et tout à coup, elle a une illumination. Mais oui, et si je me servais de ma jambe amputée pour en faire quelque chose de beau et d'utile? Et à votre avis, qu'est-ce que pour elle? Un lustre? Une lampe? Non. Un bout de fleur? Non. Une lampe? Non. Un bout de fleur? Non. Madame Asbol? On a un non. Porte-manteau? Une non. Non. Mais non, une jambe de bois? Quoi? Bah elle prend sa jambe! Elle prend sa jambe pour se faire une fausse jambe! Un pied de non! Un sac à main, putain! Eh oui! On est con! Voici les propos de la dame. Je sais que c'est assez étrange et dégoûtant et certains doivent se dire que je suis dingue. Non. Mais c'est ma jambe! Et je peux pas me faire à l'idée qu'elle soit en train de pourrir quelque part! Elle a cherché sur internet, elle a cherché quelqu'un, elle a dit j'ai 3000 livres, donc 3450 euros. Est-ce que quelqu'un peut transformer ma jambe en sac? Les gens ont du talent aujourd'hui, hein. C'est Je me disais que ça pourrait être un sac de taille moyenne avec une petite sangle, une partie au milieu qui serait faite avec ma peau et le reste avec une autre matière par exemple. Ah, je sais, je vais faire des croquis. J'aime bien le « my skin ». Non mais c'est très clair, en plus elle a colorié et tout. Et elle a trouvé un artisan qui lui a fait une belle proposition. Oh. Et voyez le « pas de cuir animal hein. ». Bon, après, est-ce qu'on est des animaux ou pas, je ne sais pas. Il semble que la quinquagénaire ait eu cette idée en voyant une annonce d'une dame qui voulait se créer une robe avec les cheveux de sa mère. C'est exactement ce que j'attendais comme réaction. Merci. On passe à En bref de Jérémy. Vous allez voir, cette vidéo a pas mal tourné depuis 2-3 jours sur internet. Je vais vous passer la vidéo, on en parlera après, mais en tout cas, ce que vous allez voir est un véritable enterrement. Hello? Hello? Let me out! Where the fuck am I? Hello? Hello? Let me out, it's a fucking bag in here! Where the fuck am I? Is that priest I can hear? That fuck! Let me out! Hello? Hello? Stop the mask! Stop, I can hear you! Hello? Hello? Who's there? Hello? Season shame me, I'm in the box. No, I'm fucking front of you, I'm dead. Hello again. Hello. I'm called to say goodbye. I'm going to die, I pray to say. Hello again. Hello. Eh ben, c'est le mec, il savait qu'il allait mourir, le mec a fait des blagues toute sa vie à sa famille et il s'est dit, attends, j'ai un enregistreur, on va faire un truc. Tout le monde était mort de rire à son enterrement et je trouve ça fabuleux. Bon, moi j'ai envie de faire pareil, personne. Mais c'est une super good news ça, Davy. Mais c'est une good news, c'est une good news. Et les gens sont venus, ils lui disent adieu et tout ça. Et là, il y a une dernière vanne qui fait que les gens, ils font... Et du coup, ils doivent rentrer chez eux en disant...
Et puis tu sais, t'as envie de l'appeler, de lui dire putain, ta vanne, elle était drôle, hein. Ben non, il est mort. Je trouve ça très étrange, quoi. En fait, ça finit pas, en fait. Tu peux même pas lui faire un retour. Ouais, c'est ça. Bah ben, écoute, c'était super. Et lui, en mourant, moi je suis sûr, moi je prépare ça, en mourant, le seul truc auquel je pense, j'espère qu'ils vont rire, hein. J'espère qu'ils vont rire. Envoyez-moi un mail, hein. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que là, c'est une en bref de quelqu'un qu'on connaît bien dans l'émission. Une en bref de. Mais je crois qu'il vous a entendu. Il y a une vidéo sur internet qui a grave buzzé. On va la regarder, c'est Vivian qui me l'a envoyé. Cette dame veut ouvrir le téléphone de ce garçon pour voir s'il parle avec des meufs. Et il a un téléphone qui s'ouvre de manière faciale, vous voyez. Du coup... lui, il veut pas. C'est très drôle, ça. Voilà. Moi, quand j'ai vu cette vidéo, j'ai fait « Ah, c'est génial, c'est drôle !» Et je me suis dit « Mais putain, ça pourrait être un sport !» Je viens d'inventer la faciale. Qu'est-ce que vous pensez du nom, rapidement ? Le nom, je suis pas sûr. Vous êtes sûr ? Le nom, après, pas... Non, ah ouais, ah ouais. Non, putain. Ça prête pas à confusion. C'est juste, viens ce week-end, on va faire une faciale. Mais je pense par contre, dépose le mot facial parce que je suis sûr qu'on peut te le cliquer. Non mais Thomas, si les gens vont sur notre site de t-shirt, ils peuvent déjà acheter les t-shirts. Ça fait 5 ans. Bah, il y a 2-3 jours. Bon, bravo. Attendez, si c'est un sport, il faut le pratiquer. Thomas, ton téléphone. Ah, oh, bah. S'ouvre avec. Avec ma gueule. Facial. Ouais. Est-ce que quelqu'un a un chronomètre? J'ai une minute pour ouvrir le téléphone de Thomas. C'est bon, tu dis top. Top. Là, t'es derrière la caméra. T'as pas le droit, t'es derrière la caméra. T'es derrière la caméra. Bah, il faudrait définir un périmètre, c'est nul. Téléphone qui s'ouvre de manière faciale et veut gagner un jeu Bad News. Ok, bien. Thomas, t'as gagné. Maintenant, c'est à toi de jouer avec elle. Je vous invite à vous filmer en train de faire des faciales et à les mettre sur YouTube. Je veux que ce jeu devienne un nouveau meme, un nouveau buzz, ok? Et venez acheter nos t-shirts Major League Facial, c'est moi qui les crée. Alors. Ok, bien. En vrai, je suis un peu mort. Ouais, c'est pas... Du coup, tu vas perdre. Tu t'appelles comment? Maude. Maude va jouer pour... si Thomas n'arrive pas à lui faire une faciale... Hé, hey, maman, c'est super, hein, on s'éclate dans Bad News. Elle gagnera le jeu Bad News, mais on va réduire à 30 secondes, parce qu'une minute, je sue un petit peu... j'ai comme une rivière de sueur qui va s'écraser dans la rivière de mon cul. Pour 30 secondes, la faciale Thomas Maude. Go. Attention, attention, allez, vous cassez pas une jambe, hein. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Elle a gagné! Ah putain! On marque une reconnaissance faciale en cours. Maud, tu gagnes un jeu Bad News, bravo! Ah, oh, je suis mort, putain! Quand j'ai eu l'idée de ce jeu en regardant South Park mardi dernier, je me suis dit, je crois que c'est drôle. Et de le voir en vrai, je crois que c'est drôle. Envoyez vos vidéos à contact@unecaseenmoins et on les mettra dans Bad News si elles sont cool, quoi. Par contre, mettez.com sinon ça marche pas. Ouais, moi je pense qu'il faut réduire, genre faut aller dans un bac à sable d'enfants. Ce que vous venez de voir là dans Bad News, c'est du free facial. C'est quand on s'amuse entre amis et qu'on a un grand terrain et qu'on veut se fatiguer. Mais les règles de la faciale sont celles-ci. Écoutez et notez bien. Voilà pourquoi nous sommes dans notre chambre d'hôtel à Pau et nous allons réaliser devant vous une faciale.
il faut un espace de 2 mètres sur 2 mètres que vous allez baliser avec du PQ. Vous faites du à peu près. Ce qui est important, c'est que le terrain soit délimité. Thomas et moi-même, nous ne pourrons pas sortir de cet espace, ce qui rend le jeu beaucoup plus amusant. Et oui. Ensuite, il faut forcément quelqu'un qui a un téléphone portable. Qui se déverrouille. Enfin, si elle regarde, hop, est-ce que c'est déverrouillé? C'est déverrouillé. Maintenant, devant vous, on teste quand même. Tac. C'est bon. Hop. Ah, mais... Refais-le. C'est bon, c'est déverrouillé là. Fais-le vraiment dans bas. Voilà. Voilà. Donc j'arrive à le déverrouiller. Donc ça veut dire que nous pouvons jouer. La partie doit durer 1 minute. Je vais mettre le chronomètre. Et c'est parti. Et voilà. J'essaye avec le miroir. Ah putain! Yes! Je vous cache pas que le jeu est difficile. Vous aussi, faites une faciale entre amis et envoyez les vidéos. Casser des noix, c'est difficile. La crème Noaxa Intensif est enrichie en vitamines et minéraux. Elle renforcera vos testicules et les rendra aussi durs que de la pierre. Noaxa Intensif. Fini les problèmes de noix. Par contre, bonjour les problèmes de poils. Merci Rob. Thomas, je crois que t'as une main innocente. C'est pour, ouais, pour sous-entendre que t'es vierge. Alors, est-ce que tu peux choisir dans la salle 2 personnes qui voudraient gagner un jeu Bad News? Qui? Allez hop. Le slip, et je l'ai vu en premier. Ah oui, ouais. Pour gagner ce jeu Bad News, je vais vous diffuser des cosplays. Il faudra lever la main pour être le premier à répondre, d'accord? Et il faudra me citer les noms des héros qu'il y a à l'image. Tous les noms, des fois il y en a peut-être un, des fois deux, trois ou quatre, d'accord? Et forcément j'ai choisi, je crois, les pires cosplays que j'ai trouvé sur internet, ok? Je sais. C'est un profil. Non. Ah bon. Johnny Bravo? C'est le masque de Laura Ingalls. Eh, c'est hyper réussi, hein? C'est de la merde. Alors, ah, on voit le tissu autour. Ouais. Mais on, bon, bref. Vous êtes prêts? Il y a 10, il y a 8 costumes à peu près. Attention, c'est parti. Flash. Bonne réponse. Attention. La vache. Freezer. Non. C'est X-Men. Là. Ah. Iceberg, bonne réponse. En PQ, je pense. Ok. Iron Man. Je crois qu'il avait plus de scotch que de tissu. Mais c'est dur la couture. Hein. C'est pour le côté métallique. Ah, là, la couture, vraiment, ouais. Mais même la main, tu vois. Il a... Bon, bref. Ok, suivant. Avenger. Non, je veux tous les héros. D'accord. Hulk. La Veuve Noire, Iron Man, Captain America, Hawkeye, Thor. Bonne réponse. Ok, on continue. Superman, Spider-Man, Wonder Woman. Est-ce qu'on pourrait m'expliquer ce qui est arrivé à Spider-Man? C'est un fantôme, en fait, c'est un drap. Non, t'as un ballon de basket. Ouais, c'est un ballon de basket, super-héros. Bref, on continue. J'ai pas vu, je suis désolé. Ah, c'est la jeune fille. Ouais. C'est toi. Alors, du coup, nous avons Chewbacca, R2-D2 et C3PO. Ouais. Et Chewbacca qui rentre d'Afghanistan. Il prépare un sale coup. Voilà. Bah, il a une ceinture d'explosif. Bon. Wolverine juif, bonne réponse. Et je pense que tu as gagné. Oui. Tu as remporté un jeu Bad News.
disponible dans toute la France à 9,95€. Et ouais. Je parle pas du monsieur en slip. Combien tu coûtes? On va dire 70€. 70. Ah, il est beaucoup plus cher que le jeu Bad News. Avec lui, vous pouvez en acheter 7 si vous l'achetez pas. Voilà. Bon, on va terminer l'émission avec le top 10 des pires costumes d'Halloween pour des enfants. Ah. Vous êtes prêts? Oui. Allez, on est parti. Alors, le costume est super réussi. Je pense que cet enfant est un peu hyperactif. Oui. Et que sa mère s'est dit, attends, il court partout pour chercher des bonbons, on va le calmer. Voilà. Alors là, on est, je pense, sur du bon goût. Mais vous inquiétez pas, il y a bien pire qui arrive. C'est très réussi. Troyan, c'est des préservatifs aux États-Unis. Je sais pas si t'as envie de laisser passer un message à ton gosse quand tu le déguises en capote. Mais vous me vouliez maman et toi, hein? Ouais. Celui-là, il est rigolo. C'est un peu une blackface quand même, hein. Le summum, c'est d'avoir trouvé un petit caddie. Bah ouais. Ça, c'est du génie. C'est un enfant. Oui, c'est un enfant, mais son père est là pour porter sa queue. Mais il lui laisse porter le sac quand même. C'est vrai qu'il pourrait porter au moins le sac quand même. Elles sont pas à taille enfant, ça dépasse. Je crois que là, on rentre dans ce qu'on appelle le malaise. Ah là là. C'est la journée, emmenez votre enfant au boulot. Il vient de dire, c'était la journée, emmenez vos enfants au travail. Voilà, alors, bon. Attendez, on est sur YouTube. On est dans Bad News, et là, je mets une photo d'un enfant en Adolf Hitler, et le public de Bad News, sans qu'on lui demande, applaudit. Et ça, c'est beau. Non, c'est pas beau. Moi, ça me fait un peu flipper. Il y a un four derrière aussi. Point Goodwin. Je ne rebondirai pas sur cette blague. Je sais pas ce que son père lui a dit pour qu'il rie à ce point-là. Ouais. Voilà, mesdames et messieurs, c'était Bad News spécial Halloween. Je vous rappelle que cette semaine, il y a un truc fou, c'est qu'il y a deux Bad News. Et que la prochaine Bad News est jeudi, c'est pendant Halloween. On va chez Brad, donc c'est jeudi, et donc c'est une Bad News en extérieur. On sera chez notre public. Voilà. Pour voir un fantôme. Bien sûr. Je rappelle que je serai en dédicace le 2 novembre de 14h à 19h à Mâcon. Poulpo Vision, c'est sur Canal+, les dimanches en clair à 14h20. Rendez-vous au Hero Festival de Marseille le 9 et le 10 novembre avec Bad News en public, comme ici. Dédicace à Annecy le 16 novembre chez Mommy. Le 30 novembre et le 1er décembre, nous serons au TGS Toulouse. En public. Et ça sera notre émission du 24 décembre qu'on va tourner là-bas. Donc venez avec des bonnets de Noël. Et envoyez vos vidéos joyeux anniversaire Bad News et vos Bad News à contact@unecaseenmoins.com. Au revoir, Pau. Au revoir, YouTube.